C'est pas le moment de flancher, de flasher sur le vide, de frissonner de flemme face à la vue de la rive où elle est forte, touche à sa fin juste avant l'évolution. Demain une autre histoire, alors aujourd'hui on tient bon. Allez lâche rien, limite la casse, bientôt la roue ne tourne. On tire des leçons de la page, mais l'encre coule encore. Et même si son dernier mot sera un point tout court, à nous de faire en sorte qu'il n'augure pas la mort. Car l'espoir reste permis, même si noir est le tableau. Sous la neige les graines, sous la glace le plan d'eau. Important de purger l'hiver, de vivre ce qu'on a à vivre, de le relativiser et de se servir de ce qu'il indique. Alors ce n'est pas le moment de flancher, de déboucler la boucle. Franchement fais ce que tu veux, mais ce n'est pas la fin de ma route. Ouais, le raid se perpétue, les rides s'accumulent, mais dès que le rideau se lève, chacun quitte sa bulle. Dernière étape du périple, la suite c'est le début. L'âge d'or se constitue de tout ce qu'on a vécu, de ce qu'on en a tiré afin d'en ressortir plus fort. C'est le temps du point final, pas celui du point mort. Ouais, l'âge d'or arrive en balle, à nous d'orienter le contrôle, d'arrimer nos navires afin de traverser les pôles, de dépalir nos visages pour contrôler le virage, viser le but commun de la paix sur nos villages. Ouais, tenir le coup même s'il faut rebondir sur les cordes du ring, tenir l'anneau d'alliance, nous rassembler dès que possible. Ça ressemble au temps fort des histoires précédentes. C'est le moment de rien lâcher, nos survies en dépendent. C'est le moment de rien lâcher, nos survies en dépendent. C'est le moment de rien lâcher, car ça dépend de maintenant. Et dans le creux de la vague, on peut tenir le coup. En surfant sur ses larmes, on peut se raccrocher aux branches.